En fait, j'ai pris conscience que j'étais capverdienne lorsque je suis venue en Europe à 8 ans et demi. Parce qu'avant, au Cap-Vert, on était tous égaux. Là, tu ne remarquais pas. Et tu es venue, après, tu te dis, oh, tu es différente. Il y a les enfants qui te font voir que tu es différente. Ils te demandent d'où tu es, quelle langue est-ce que tu parles, qu'est-ce qu'on mange là-bas et tout. Et là, j'ai réalisé, c'est une autre culture. Peut-être aussi à cause de ça, je sais parler aujourd'hui 6 langues et je suis au moins 7e, je suis en train d'étudier ma septième langue. Chez nous, la famille est très importante, donc on est une famille très unie, même si on n'habite pas tous dans le même pays, mais on continue à manger par exemple les repas de là-bas. Même si on est en Europe, on s'appelle au moins presque chaque semaine. On voit aussi des autres Capverdiens chez nous, au Luxembourg. Donc, ce qui est bien, parce que tu peux. Parfois, ils organisent des fêtes où il y a la musique capverdienne, et là, tu te retrouves entre Capverdiens, ce qui est bien, parce que tu n'oublies jamais, en fait, les fêtes et les gens capverdiens. Leurs valeurs, parce qu'ils sont tous là. C'est ce qu'on voit au Cap-Vert. Si par exemple, tu as un truc important à faire, le voisin, il est toujours là. Tu dis, garde-moi la petite. Ah oui, laisse-la ici, n'importe combien d'heures. Pas besoin de dire que tu passes, tu viens. Si tu as besoin de quelque chose, ils te prêtent tout de suite. Il n'y a pas de. On est tous soi-disant une famille et c'est un village, mais on s'entraide tous. Oh, c'est peut-être que certains Capverdiens, mais surtout ceux qui vivent en Europe, ils veulent montrer qu'ils ont et ça et ça, qu'ils ont de l'argent, soi-disant, mais en fait, c'est pas ça. Et donc, ils aiment trop montrer. Et c'est ce que j'aime pas. Aos tam graça de ba da um chilu flan lojinha, de com saudade da minha terra. Dá-me graça também de comer um cachupinha com estrelote. Mas bom, tenho que esperar agora até férias dar.